Chers amis, assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je prends cette opportunité à la suite d'un échange que j'ai eu avec le média Al-Koumouria. En fait, ce média a voulu m'interroger sur la réaction pour savoir ma réaction à la suite de double communiqué à la fois de l'Union européenne et de l'ambassade des États-Unis, compte tenu du contexte post-électoral aux Comores. Et normalement, on avait prévu de faire une émission avec le média Al-Koumouria, mais malheureusement, pour des raisons techniques, on n'a pas pu établir le lien. Du coup, j'ai choisi de faire cette déclaration ici, via ma page Facebook, et profiter de répondre aux questions de ce média, et je m'en excuse à l'égard du média Comoria, et je leur demande de si jamais ils peuvent ou déjà utiliser ces éléments comme étant pour un support du travail qu'ils ont voulu faire avec moi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me joins à l'ensemble des Comoriens pour adresser mes sincères condoléances à la famille du jeune musulman assassiné par ce régime criminel qui est aux Comores, et en même temps adresser mes condoléances à l'ensemble de la nation comorienne qui vit cette situation ou cet assassinat de façon extrêmement douloureuse, et en même temps adresser d'abord aussi mon courage à celles et ceux qui se retrouvent dans les geôles infâmes de ce régime, que ce soit à Mlé ou bien à Kanrani, et qui traversent une situation extrêmement difficile, et par la même occasion, interpeller les autorités de l'opposition politique comorienne de ne pas oublier ces gens, nos compatriotes, mais également aussi inviter les organisations de la société civile, les vraies, parce qu'il y a des organisations de la société civile qui profitent à chaque fois qu'il y a des moments, des occasions d'élection comme ça, comme étant une période de travail saisonnière pour accumuler ou ramasser quelques sous, mais à aucun moment ils ne sont pas là pour une quelconque mission citoyenne républicaine. Donc j'adresse mon courage à cela, et aussi je profite également pour adresser mon indignation à l'adresse de Madame Sidhu, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme aux Comores, et à l'ensemble de sa structure, parce que on peut pas comprendre que on tire à balles réelles aux Comores, on vise des jeunes, on vise la tête. Il y a eu le cas de Fahadi avec au mois de novembre, mais cette fois-ci avec Mousseline, et encore une fois, on n'a pas entendu dans la déclaration qu'ils ont publiée une condamnation ferme de l'usage disproportionné et ou de l'usage des armes létales de la part des forces de l'ordre dans le cadre du maintien de l'ordre suite à des manifestations pacifiques. Et au même moment, je dis aussi mon indignation vis-à-vis des communiqués auxquels je vais commenter par rapport au fait que à aucun moment j'ai pas lu dans ces communiqués-là une condamnation claire, ferme et strict de l'usage disproportionné de la force de la part des autorités politiques comoriennes, du régime criminel qui est aux Comores, et surtout de l'usage des balles létales, des balles réelles. Et malheureusement, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu un décès, mais ce décès, c'était pas à la suite d'une bousculade, non. Il s'agit d'un militaire comorien qui a tiré sur la tête d'un jeune manifestant. Et aussi profiter de rappeler que les manifestations pacifiques, même dans des pays comme en France ou ailleurs, les manifestations, quand elles sont autorisées comme des manifestations pacifiques, il se trouve que parfois il peut y avoir des débordements dans des situations. Mais au Comore, on n'autorise jamais des manifestations pacifiques. Alors, dans ce cas-là, c'est l'État comorien qui n'a laissé que le couloir de la manifestation ferme et brutal pour que la population comorienne s'exprime, surtout à travers cette voie-là. Et je voudrais dire
aux pays de l'Union européenne et aussi aux États-Unis que pourquoi un jeune manifestant new-yorkais ou de n'importe quel État américain ou de n'importe quel État européen qui manifeste, quelle que soit la virulence de sa manifestation, doit être dispersé par des canons d'eau ou bien par des maintiens d'ordre de façon retenue et aussi mesurée. Mais au Comore, on utilise des balles réelles, mais ces institutions ou ces États ne condamnent pas ce régime criminel qui utilise, qui fait usage de cette force brutale et criminelle. Donc c'est inadmissible parce que un enfant comorien, c'est une vie comme la vie d'un Français, la vie d'un Américain, la vie de n'importe quel enfant des pays de la communauté de l'Union européenne. Avant de rentrer dans le vif de mon intervention pour commenter les deux communiqués et donner mon avis et mon analyse, je voudrais d'abord m'adresser à l'ensemble de la communauté comorienne pour dire ceci. Une nation ne se fait, n'est respectée que si elle impose le respect. Il est inadmissible qu'aux Comores, nous sommes la seule nation qui peut laisser des pays ou des institutions dire ce qu'ils veulent sur les Comores, faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait une réaction de la part de la nation comorienne ou de la part des structures d'État étatique ou même des médias comoriens pour essayer d'ajuster les éléments. En défendant, pas pour défendre un régime ou défendre des opposants, mais au moins défendre l'État comorien. J'en veux pour preuve ceci. Je rappelle déjà qu'il y a un précédent avec l'Union européenne. L'Union européenne, cette commission ou cette institution qui a l'ensemble des pays membres de l'institution de l'Union européenne ont reconnu les Comores, l'État comorien, le 12 novembre 1975, dans le cadre de la résolution des Nations Unies 3385, sur une reconnaissance de l'État comorien dans l'ensemble des quatre îles. Mais en 2014, cette même institution a reconnu une partie de l'État comorien comme étant un territoire ultra-périphérique de la France, donc d'un département français. Ce n'est quand une institution fait ça, et que non seulement l'État comorien ne réagit, ni les médias, ni les intellectuels comoriens, ça veut dire tout simplement qu'on a donné un blanc-seing à cette institution de nous piétiner à partir du moment. Pourquoi l'institution doit respecter le peuple comorien si, après avoir piétiné ou marché sur l'intégrité territoriale des Comores, il n'y a pas eu une réaction de la part de l'État comorien ou des médias comoriens ou des intellectuels comoriens vis-à-vis de cette situation. Ça veut dire qu'une telle institution ne va pas nous respecter. Revenons également en 2001. Lors des accords de Fomboni, la France a refusé d'apposer sa signature en qualité de représentant de l'Union européenne sous le prétexte fallacieux que on a marqué dans le cadre des accords de Fomboni que Mayotte est un territoire comorien. Dans n'importe quelle contrainte du monde où il y a une nation qui se respecte, dans les 12 heures qui suivent, l'ambassadeur de la France et les diplomates allaient être convoqués et demandés de donner des clarifications, sinon d'être renvoyé et revenir plus tard, comme ça se fait dans le cadre dans l'usage de la diplomatie, mais au moins il devait y avoir une réaction forte de la part de l'État comorien. Mais l'État comorien dit quoi? Non, c'est pas grave, l'Union africaine va signer, là où l'Organisation internationale de la francophonie va signer, et puis c'est tout. Et donc, la France a eu cette attitude inadmissible et insultante vis-à-vis de l'État comorien, vis-à-vis du peuple comorien, mais la nation comorienne, à cette époque-là, c'était l'ensemble de la nation comorienne, n'a pas réagi. Mais comment voulez-vous qu'une nation vous respecte? Non seulement que l'État français viole le droit international, il viole l'État comorien, l'intégrité du territoire des Comores, mais elle se permet aussi de dire qu'elle ne peut pas engager l'Union européenne sous le prétexte fallacieux qu'une partie du territoire qu'elle occupe est marquée comme étant une partie intégrante de l'État comorien. Ça, c'est comme ça aussi qu'on se fait respecter. Et aussi, je m'adresse par exemple au niveau des médias. Quand les États-Unis signent des accords avec l'État comorien et il y a une déclaration qui dit que les États-Unis s'engagent avec l'État comorien et ils s'engagent à respecter, à faire respecter ou à respecter la souveraineté de l'État comorien. J'aurais aimé voir un journaliste comorien interroger l'ambassade des États-Unis et leur demander, quand ils parlent de l'intégrité territoriale des Comores, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi normalement? Quand ils parlent de ça, ça veut dire tout simplement obliger les États-Unis de définir les contours de la souveraineté de l'État comorien et de l'intégrité territoriale des Comores. Et
et mesurer que si ce n'est pas des paroles en l'air, mais si réellement les États-Unis se respectent l'intégrité territoriale des Comores et reconnaissent que l'occupation illégale de Mayotte est une entorse, est une violation flagrante du droit international, et c'est un précédent qui laisse la possibilité à d'autres pays comme la Russie l'a fait en Ukraine pour violer l'État souverain de l'Ukraine parce que la France viole le territoire un espace du terrain comorien, du territoire de l'intégrité territoriale des Comores depuis 47 ans. Pourquoi je ne vais pas m'étaler un peu plus? Pourquoi j'ai dit ces éléments? C'est tout simplement pour dire que le respect d'une nation s'impose. Tant que les Comoriens ne réalisent pas que chacun d'entre nous, quel que soit son niveau, quel que soit le lieu ou la place qu'elle occupe, doit être un ambassadeur de la défense des intérêts des Comores, personne ne respectera les Comoriens ou ne respectera la nation comorienne. Donc, revenons maintenant à la question que le média le Comorien m'a posée par rapport à ma réaction vis-à-vis de la double déclaration de l'ambassade des États-Unis et de l'Union européenne. Il y a eu également la déclaration de la mission de l'Union africaine et aussi de l'organisation de la francophonie. Je n'ai pas lu les deux missions. Celle de l'Union africaine, j'ai regardé quelques passages, mais de toute façon, j'ai constaté que c'est exactement la même mascarade. Et je rappelle tout simplement une chose, c'est que la mission des observateurs étrangers de l'Union africaine de l'année en 2019, ils avaient clairement établi dans le cadre de leur rapport que le contexte électoral et le processus électoral qui s'est passé aux Comores le 24 mars 2019 ne leur permet pas de certifier, de confirmer avec certitude la sincérité du suffrage des élections aux Comores. Ce qui veut dire tout simplement que l'Union africaine ne reconnaissait pas la sincérité des élections aux Comores. Mais cela n'a pas empêché l'Union africaine de reconnaître qu'Azali est président et aussi de voir Azali occuper le poste de président de l'Union africaine. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ce que l'Union européenne dit, c'est de la mascarade. Et ce que l'AUF, Organisation internationale, dit, c'est également, on est dans la même veine. Mais au même moment, rappelez que ces deux institutions sont une des causes de nos difficultés aux Comores, dans la mesure où les deux sont membres signataires des accords de Fomoni, les accords de réconciliation consécutifs à la crise politique qu'avait secoué les Comores en 1997 et qui a failli ébranler l'unité de la nation. Ces deux institutions avaient signé en tant que membres du comité de suivi avec une obligation de veiller à ce qu'on respecte les accords de Fomoni. Malheureusement, ces accords ne sont pas respectés par Azali et ces institutions n'ont rien dit. C'est pour vous dire que leur avis nous est futile comme une bague pour un lépreux. On n'en a rien à curer de leur avis. Maintenant, je reviens sur le cas des États-Unis. Parce que souvent, les opposants politiques aux Comores, ou bien certains nombres de gens aux Comores, quand ils voient des déclarations comme ça, ils regardent en haut, ils ont dit qu'ils trouvent par exemple quelques éléments, quelques phrases, genre on demande à ce qu'il y ait une clarification. Les Américains ont critiqué ou les Américains ne sont pas d'accord. Ne vous laissez pas berner par ces genres de publications. Ne vous laissez pas berner par ces genres de publications parce que quand on regarde entre les lignes et l'usage des mots utilisés ici, on voit très bien que ces gens-là ne sont pas en train de défendre les Comoriens ou ni de défendre le suffrage et la transparence du suffrage aux Comores, mais tout simplement, ils sont en train d'aménager une voie de sortie pour donner à Azali un semblant de crédibilité jusqu'à ce que la Cour suprême valide ces élections. Je vais vous lire le communiqué. Les États-Unis félicitent le peuple du gouvernement comorien, le peuple et le gouvernement des Comores pour avoir maintenu l'ordre et le calme le jour des élections du président et des gouverneurs du pays, malgré quelques irrégularités enregistrées. Je voudrais dire aux Américains, à travers cette phrase, que quand vous parlez de quelques irrégularités enregistrées, vous, j'allais dire de façon triviale, vous vous foutez de la gueule de qui? Parce que savez-vous que vous avez une obligation de respecter le peuple comorien et comme la réciprocité est valable. Le peuple comorien respecte les Américains et vous avez aussi une obligation de respecter le peuple comorien. J'invite les Comoriens à éviter d'avoir ce complexe du colonisé ou ce complexe du petit pays qui se dit finalement c'est un grand pays, il peut se permettre de nous dire n'importe quoi. Aux États-Unis, pourquoi les Américains
trouve choquant le fait que les soutiens de Donald Trump ont investi le Capitole et avec tout ce qu'on connaît, comme les difficultés qu'ils ont eues et les condamnations qui ont suivi, les procédures d'empêchement et toutes ces choses-là au nom du respect du suffrage des Américains. Et pourquoi les Comoriens n'ont pas droit à ça? Pourquoi les Américains doivent qualifier de petites irrégularités, de quelques irrégularités enregistrées quand des militaires récupèrent des urnes scellées à 14 heures et amènent dans des casernes pour aller comptabiliser? J'ai envie de dire, mais vous vous foutez de qui? Vous m'excuserez peut-être du terme, mais ça, c'est choquant parce que quand on entend des grandes nations comme ça qui savent très bien le sens du suffrage, le respect du choix d'un peuple et se permettent de dire des fadaises pareilles parce qu'il s'agit des Comores, on se permet de dire des petites irrégularités. Quand on refuse le droit ou l'accès à des observateurs accrédités d'assister au processus du dépouillement à l'issue du scrutin, il ne s'agit pas là des petites irrégularités enregistrées. Quand on refuse le droit ou l'accréditation à des représentants des candidats d'un pays, des candidats de l'opposition d'accéder dans les bureaux de vote plusieurs heures après le début du scrutin, il ne s'agit pas des petites irrégularités enregistrées. Et vous l'avez remarqué, chers compatriotes comoriens, vous l'avez remarqué que ces pays n'avaient pas réagi à l'issue ou au moment de la déclaration des organisations comme la francophonie et comme la mission africaine. Non, ils n'avaient pas réagi. Ils se sont précipités de réagir le moment où ils ont vu que le peuple comorien a commencé à contester les élections. Et là, je voudrais dire au peuple comorien, c'est au peuple comorien d'imposer le respect de son suffrage. Ce n'est pas aux Américains, parce que les Américains jouent la montre pour essayer de dire, attendez, on va y aller, ceci, on va essayer d'avancer, on va essayer de trouver des solutions, etc. Et il en est de même pour l'Union africaine, l'Union européenne. Donc, je rappelle également quelque chose. Il est où déjà? Vous m'excuserez, je cherche... Oui, quand on refuse, quand on procède à débourrage des urnes, je prends le cas. Quand on sait, parce que je le dis... Parce que le média comorien m'a posé aussi la question sur les éléments de contestation qui poussent le peuple comorien à dire, à rejeter ce processus de façon totalement. Quand on procède à doublage des urnes, je vais donner un exemple. On est à Ongojou. On est à Ongojou, c'est le bureau Ongojou 6. Nous avons vu dans toutes les vidéos qui circulaient Madame Asifa Bakar, qui est une autorité publique, puisque elle est la DAF, la directrice administrative et financière du commissariat à l'éducation en juin, qui entre dans un bureau de vote, le bureau numéro 6 de Ongojou. Numéro de matriculation du bureau, c'est le 118A.6. Le nombre d'inscrits, 484 inscrits. Nous sommes à Ongojou, dans la 12e circonscription, là où séchait le député Blonde, connu par ce pseudonyme de Blonde, mais qui est de son vrai nom, Mohamed Ahmed Saïd. Lui-même Blonde et Madame Ansifati, qui ont établi les listes des membres des bureaux de vote. Lesquels membres de bureaux de vote, un peu partout dans l'espace national, les opposants ont critiqué, et même le mouvement Karanala, ont critiqué le fait que on n'a pas respecté les procédures légales pour le recrutement des membres des bureaux de vote et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les oppositions et l'opposition et le régime. On se retrouve dans une situation comme ça. Blonde, je prends ce cas-là pour vous montrer combien on est dans une situation extrêmement grave. On est à Ongojou. Le député de Ongojou, M. Blonde, de son vrai nom Mohamed Ahmed Saïd, de la 12e circonscription, et sa nièce, qui est Mademoiselle Ansifa Bakar, puisque la maman, je dirais comme ça, la maman de Ansifa et Blonde sont cousins. Ils vont établir les listes des membres des bureaux de vote. Ils se sont convenus que dans le bureau de vote numéro 6, là où Ansifa va voter, nous allons nommer Hamid Atouman,
comme président du bureau de vote qui n'est ni plus ni moins que le petit frère de Ansifa Bakar, de même mère, mais de père différent. Vous avez vu, il rentre dans le bureau de vote, c'est son frère qui était en polo blanc, il sort. Madame Ansifa, toute honte bue, bourre l'urne, une fois qu'elle a terminé, elle prend un livret, elle pose au niveau du bureau de sur la place du président du bureau de vote, et elle donne même des directives. Vous avez vu la vidéo. J'espère bien que Al-Komoria le mettra en ligne pour que le monde entier voit exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'était à Ouangojou, mais ce même mécanisme s'est produit à une échelle extrêmement large, aussi bien en juin qu'à Moyéli. Et quand on voit ça, ça se passe comme ça, et une fois qu'elle a terminé, elle croise son frère qui rentre, comme si elles sont à la maison. Il voit son frère rentrer à la chambre à coucher, et puis l'autre sort pour aller au salon, etc., etc. On est dans un processus électoral. Et les Américains se permettent de nous dire que ce sont des petites irrégularités qui sont enregistrées. Mais il faut arrêter de prendre les gens comme des idiots et faire en sorte que chez vous, aux États-Unis ou en France, ou dans vos capitales européennes, ou dans vos petits villages, dans vos États, le peuple doit être respecté, le suffrage a un sens, mais quand ça se passe au Comores, ou bien quand ça se passe dans un pays africain, vous pouvez vous permettre de dire n'importe quoi et réduire des gravités pareilles à des petites irrégularités enregistrées. Donc, je continue aussi des préoccupations. Bon, je vais vous lire un peu. Cependant, l'annonce ultérieure des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante a soulevé des préoccupations sérieuses qui doivent être abordées pour maintenir la paix et le bien-être de la nation comorienne. Vous voyez les formulations. Le peuple comorien s'attend à des élections libres et justes. Toutefois, la violence n'est pas la réponse à toutes les préoccupations concernant le processus. Je voudrais dire aux Américains que la violence des citoyens qui jettent des galets ou qui ferment des routes, ça se fait partout. Mais par contre, cette violence-là, pourquoi les Américains ne condamnent pas l'usage des armes, l'usage de balles réelles et surtout qui tirent des jeunes au niveau de la tête? Ce n'était pas pour blesser ou pour faire peur. Ce n'était pas des tirs de sommation. Ce sont des exécutions. C'est une exécution. Et ça s'est fait comme ça. Mais les Américains, non. Si c'est un jeune Américain qui est tué quelque part, c'est choquant. Mais comment se fait-il? Oh my God! Mais comment se fait-il qu'il y a eu cet acte abominable? Mais un Comorien tué par une balle, ça ne choque pas les Américains. Ça ne choque pas les Européens. Non, parce que c'est un Comorien. Sa vie ne vaut qu'un clou aux yeux et au regard de ces gens-là. Mais c'est inadmissible. Donc, nous appelons la CENI et les autorités comoriennes à assurer une totale transparence, à clarifier les résultats qu'elle a annoncés le 16 janvier avant la certification des résultats de la Cour suprême. Ils appellent à ce que la CENI corrige. Vous voyez l'hypocrisie et l'indécence de propos de ces propos-là. Et pourtant, j'ai entendu des Comoriens dire « Ah oui, le communiqué des Américains ». Mais ils se foutent de la gueule de qui les Américains dans ce communiqué-là? Ils ne respectent pas le peuple comorien et ils disent, ils sont en train de nous raconter des sottises dans ce communiqué-là. Et il y a des gens qui disent, oh, finalement, les Américains ont réagi. Non, non, les Américains et l'Union européenne essaient d'aménager une voie de sortie et essayer de crédibiliser les résultats qui sortiront des urnes, qui seront certifiés par une Cour suprême qui est à la solde et à la botte d'Azali. Je rappelle aux Américains aux représentants de la diplomatie américaine qui sont à Madagascar et avec accréditation aux Comores, que décidément, de l'autre côté, il doit y avoir une schizophrénie ou bien une amnésie partielle. Je rappelle qu'en fin 2021, un rapport des Américains a établi qu'aux Comores, il est impossible de passer à une alternative politique stable à l'issue des urnes parce que le pouvoir est confisqué par le régime sur place. Je vous rappelle, et je le dis à tous les Comoriens, à toutes celles et ceux, les humanistes du monde, et à l'ensemble des pays d'Afrique qui nous soutiennent, et à celles et ceux qui sont en Europe, qui font preuve d'humanité et surtout de cohérence et de dignité, qui soutiennent le peuple comorien, qu'on ne peut pas accepter ces genres de choses. Il est inadmissible. Nous, les Comoriens, on ne peut pas accepter ça.
Les Américains ont dit ça, qu'aux Comores, il peut y avoir, il est impossible de changer un régime politique, etc., etc., parce que le régime est confisqué par le régime d'Azali. Je rappelle à celles et ceux qui ont loupé un peu l'histoire politique comorienne, en avril 2012, le président Azali Assoumani, dans un coin de table, il a signé par décret la dissolution de la Cour constitutionnelle de Comores. Et au même moment, il a désigné les membres. L'ensemble des membres de la Cour suprême, alors que celle d'avant, c'était un gouverneur dans chaque île qui désignait, le président de l'Assemblée, et aussi, et c'était comme ça. Non, cette fois-ci, non seulement qu'il a dissous la Cour constitutionnelle, une chose, une première dans le monde, sans réforme constitutionnelle quelconque, il désigne le nombre des personnes, les membres de sa Cour constitutionnelle, Cour suprême, et après, il va faire une réforme. On continue un processus électoral. Le même processus électoral demande à ce que le président de la République se met en congé avant qu'on rentre dans un processus électoral. Une fois que les décisions des candidatures sont arrêtées par la Cour suprême, non seulement qu'il ne prend pas congé, mais pendant le processus électoral lui-même, il se permet de changer la présidente de la Cour pour mettre celui qui convient à ses aspirations. Il est à la fois candidat, mais aussi président de la République qui peut agir. Il peut même demain se lever et dire finalement, je vais changer telle personne. Et il y a des Américains, il y a les Français, l'Union européenne, qui peuvent nous dire, mais finalement, il faut attendre à ce que cette cour donne la certification des résultats. Mais vous vous foutez de qui? Mais vous pensez que le peuple comorien n'est pas un champ de bétail? Le peuple comorien, c'est un peuple qui mérite aussi d'être respecté. Et je demande aux autorités politiques comoriennes, aussi bien celles qui sont à la manette aujourd'hui, que ceux qui sont dans l'opposition, et à l'ensemble de la nation comorienne, que tant qu'on ne se respecte pas sur Terre, tant qu'on n'impose pas le respect, mais on est dans des calculs qui nous concernent égoïstes, de nos intérêts proprement égoïstes et vils. Genre, je fais ça, j'accepte que les Américains humilient le peuple comorien parce que ça m'arrange. Parce que ça m'arrange. Ça veut dire qu'on est en train de nous tuer, de nous tirer une balle. De nous tirer une balle. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Et là, je rappelle une chose. C'est que ni les Américains, ni les Européens, ils n'ont jamais voulu que le processus électoral aux Comores soit transparent. Je vais vous dire, j'en veux pour exemple, et j'argumente, mais je donne des arguments. Je ne fais pas des accusations simples comme ça. Je donne des arguments. Les Américains ont fait ce rapport qui explique qu'aux Comores, il est impossible d'avoir un processus électoral qui peut changer la donne dans une phase de transition, dans un processus issu des urnes, parce que le pouvoir est confisqué. Quand vous commettez un rapport pareil, et que vous allez vous engager dans un processus électoral, le premier réflexe, ça serait de dire déjà, je dois faire en sorte que le respect du suffrage soit réellement respecté. Mais les Américains ont donné 650 000 euros à Azali, 650 000 dollars, dans le cadre de ce processus. Mais à aucun moment, ils ne se sont pas foutus de dégager 30 000 euros dans les 650 000 euros pour dire désormais, nous prenons la responsabilité de mettre 868 observateurs fixes et que chaque observateur fixe dans un bureau de vote sur les 868 bureaux de vote comoriens, nous allons lui payer 50 euros, c'est-à-dire 25 000 francs comoriens, avec l'objectif d'avoir la sincérité des résultats qui sortiront des urnes. Ils n'ont pas été capables d'exiger ça. Mais ils ont été capables de verser 650 000 euros à un régime auquel ils ont mis en cause sa transparence et son indépendance dans le cadre d'un processus de gestion d'un processus électoral. Et là, je vous le dis clairement, ils prennent le peuple comorien comme je ne sais pas quoi. Mais tout ça veut dire quoi? Je reviens pour Jean, oui. On nous parle d'une certification des résultats. Il faut qu'il y ait une certification des résultats, etc., etc. Mais certification des résultats par la Cour suprême. Laquelle Cour suprême? C'est Azali qui l'a mis en place. Et c'est Azali lui-même qui choisit de changer les équipes dans le courant du processus électoral. Et ça ne gêne pas les Américains. C'est pas grave. Tant que ça se passe dans les républiques bananières des Comores, ça nous va très bien, nous, le pays de l'oncle Sam. Ça nous arrange parfaitement. C'est pas grave. Seuls les Américains et les Européens sont dignes d'avoir des résultats fiables, respectés, transparents, libres. Mais tous ces gens qui sont de l'autre côté de l'Afrique, de toute façon, ils ne valent qu'un clou. Mais c'est inadmissible. C'est insultant pour nous de vous voir adopter une telle attitude. Je le dis ici et je le répète,
les Américains, l'Union européenne, n'a jamais, ces deux structures étatiques ou ambassades ou organisations institutionnelles n'ont jamais souhaité qu'il y ait une transparence électorale aux Comores pour la seule et unique raison. Azali, c'est leur homme de main. Ils ont envie de maintenir ce régime criminel parce que Azali, c'est ce monsieur qui est capable, qui est à la tête d'un pays qui est occupé illégalement dans un territoire quelconque, en l'occurrence Mayotte. Mais au même moment, ce même pays, ce même président va signer des accords à Paris, les accords de 2019, autorisant la puissance colonisatrice ou la puissance occupante qui est la France, qui occupe illégalement Mayotte, d'aller établir des radars à Anjouan pour contrôler la circulation de la population vers cette île qu'elle occupe. Mais, toute honte vue, dans une schizophrénie qui le caractérise et qui caractérise l'ensemble des autorités politiques comoriennes, au même moment, ils vont se lever pour aller aux Nations Unies, pour aller dire « on réclame Mayotte », etc., etc., dans une incohérence totale. Parfois, à un moment donné, même le partenaire d'hier ne nous respecte pas parce qu'il trouve qu'on est schizophrène. Nous avons des dirigeants qui sont totalement schizophrènes. Donc, quand vous voyez ça, et à la fin, les Américains disent quoi? Ils demandent qu'il y ait une clarification sur la disparité entre le taux de participation et entre le taux de participation annoncé et le taux de participation réellement publié, etc., etc. Mais leur souci, ce n'est pas de respecter la vérité, la transparence des urnes. Leur souci, c'est de faire en sorte qu'on rééquilibre ce taux-là et on demande même à ce que la Cour suprême redresse. La Cour suprême doit rajouter des bulletins de vote pour essayer d'établir quelque chose, etc., etc. Mais franchement, quand on voit ça, oui, le processus démocratique se constitue d'un état de droit pour éviter toute perte supplémentaire de vie humaine, y compris les partis d'opposition. Là, il dit, nous dénonçons toute violence, appelons au calme de toutes les parties, y compris les partis de l'opposition. Mais on ne dit pas, y compris l'État comorien qui utilise une répression sanglante et criminelle. Exhortons que toutes ces les plaintes liées aux élections soient résolues par la voie légale selon le système juridique établi. Lequel système juridique, lequel? C'est celui de la Cour suprême d'Azali et tout ça. Non, mais c'est une foutaise. On est en train de dire quoi? On est en train d'aménager quelque chose pour aider le régime d'Azali d'avoir une porte de sortie louable, aménagée par les Américains. Et j'ai même appris dans le cadre du rapport de l'Union européenne, j'ai vu ici, je laisse celui des Américains, je prends juste quelques passages ici parce que le contenu est pratiquement semblable. On parle ici, eux ils disent quoi? J'ai vu ici, ils disent que l'Union européenne a déployé une mission d'expertise électorale. Mais l'Union européenne est schizophrène. L'Union européenne, c'est son attitude insultante vis-à-vis du peuple comorien. Et même la façon de dire qu'on envoie une expertise aux Comores pour aller certifier je ne sais pas quoi est une insulte à l'intelligence. Pourquoi? Je vais expliquer une chose. L'Union européenne n'a jamais voulu que les élections soient transparentes aux Comores. L'Union européenne a payé une plateforme électorale aux Comores, celle qu'on appelle Obsolec, avec toute une bande de voleurs comoriens que vous, je vais vous citer des organisations que vous les avez peut-être pas jamais entendues, Obsolec, RNGLP, RFLP, Ngochao, MOSC, PFPOI, COMOMDC, FAHAC, EONG Salam. Toutes ces structures-là étaient dans le cadre d'une plateforme d'observation qui a obtenu 30 000 euros des Européens. Je vais vous dire une chose. Ils ont eu 30 000 euros. Si réellement l'Union européenne voulait une transparence dans les élections Comores, ça serait quoi? L'Union européenne allait juste demander à ce que ces 30 000, on les dispatche sur des observations stables et fixes sur les bureaux de vote et on recueille les résultats. Mais c'est quoi? Rien de tout ça n'a été fait. Combien d'observateurs l'Union européenne avait recruté au départ? 106 observateurs sur 868 bureaux de vote, soit 12% des bureaux de vote. Ça, c'est déjà le choix. Dès le début, ils ont dit, nous allons déployer 106 observateurs. Et le moment, au début du processus électoral, ils ont eu quoi? 44 accréditations sur les 106. Quand une structure, une organisation internationale dit, je vais accompagner un processus électoral. Déjà, ils ne se sont pas foutus d'engager l'ensemble des bureaux de vote
des observateurs fixes pour avoir les résultats. Ils ont mis 106 sur 868 bureaux de vote. Mais en même temps, le moment où le processus commence, ils ont obtenu 44 accréditations. C'est-à-dire sur les 106, il n'y a que 44 qui ont obtenu leur accréditation officielle. Donc, mais ils se permettent de dire quoi? Ils se permettent de dire que finalement, nous avons observé des opérations de vote sur 375 bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils ont 44 personnes, 44 accréditations. Celles de ceux qui ont eu les accréditations, puisqu'ils nous disent que sur les 106, il n'y a qu'une partie qui ont obtenu des accréditations. Donc, les 44 personnes ont visité les opérations électorales de 375 bureaux de vote. Ça veut dire quoi dans votre tête? Ça veut dire que ces gens-là sont dans des voitures, on quitte Wani, et puis après on passe à Mironti, on passe à Moutamoudou, on passe à Sima, on fait une tournée, on revient, etc., etc., pour dire finalement on est passé. Vous voyez? Ces gens-là, ils ne sont pas du tout sérieux. Je l'avais dit avant. J'avais dénoncé cet obsolète. Peut-être c'est plutôt obsolète, mais c'est pas obsolète. Cette structure patronnée par Riri avec l'aide et le conseil de Ismaël Sandi, etc., etc. Je l'avais dit clairement que cette structure, les élections aux Comores, leur perception des élections aux Comores, c'est comme un travail saisonnier. Pour eux, c'est le moment d'aller travailler pour ramasser de l'argent pour cette structure-là. Je parle de la structure. Moi, ce qui me fait mal dans cette structure, c'est que je connais Ismaël Sandi, je connais son engagement, mais je ne peux pas comprendre qu'on est en train de faire ce genre de travail et accompagner une mascarade comme ça. Et puis après, demain, on va nous raconter quoi. Et figurez-vous, chers amis, c'est que le moment, et ça c'est, normalement, ce sont les observateurs qui sont financés par l'Union Européenne. Ça veut dire que l'Union Européenne, normalement, avait le droit de dire que je ne reconnais pas, dès le départ, la crédibilité et la sincérité d'un processus électoral, non seulement que j'avais déployé que peu de personnes, mais même sur 106, vous n'avez accordé que 44 accréditations. Ça, ce sont des informations de leur rapport, de leur communiqué. Ils ont sorti un communiqué qui donne les grandes lignes de ce qui seront dans le rapport. Ils disent, ils ont eu que 44 accréditations. Mais quand les Américains, les Européens nous disent qu'ils vont envoyer une expertise de trois experts pour venir expertiser le processus électoral. Mais vous vous foutez de qui? Vous prenez les Comoriens comme des idiots ou quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez nous déployer des Européens, des experts, qui vont aller expertiser des élections qui ont eu lieu sans représentants du candidat, des candidats de l'opposition, que les militaires ont ramassé les urnes, qu'on a refusé à vos représentants, à celles qui ont obtenu les accréditations sur les 44. Vous imaginez? Sur les 44 qui ont eu des accréditations, ils ont même eu des refus de certains membres d'observateurs accrédités d'accéder dans les bureaux pendant le moment du dépouillement. Et là, l'Union Européenne nous parle d'une expertise. Mais ça veut dire quoi? Mais tout ça, c'est pour vous dire que l'Union Européenne, c'est une institution qui est en train de magouiller pour donner de la crédibilité et accompagner le régime d'Azali pour sortir la tête un peu haute de ce scandale. Et c'est inadmissible parce que ce sont ces comportements-là qui font qu'il y a un sentiment anti-européen ou anti-occident. Quand on voit ces manœuvres-là, ce sont des manœuvres de notre âge qu'on ne peut pas accepter aux Comores. Il faut qu'on arrête et il faut que les opposants politiques aux Comores, qui souvent, quand ils sont appelés, ils croient que ces gens-là sont des extraterrestres. Non, ces gens-là, ce sont les gens qu'on déploie dans nos pays-là, qui représentent ces structures. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un même niveau intellectuel que nous, ou parfois même où on est plus diplômés qu'eux. Il ne faut pas que ces gens-là vous mettent dans un complexe d'infériorité sous le prétexte parce qu'il est européen, mais il est où? Mais ils ont fait les mêmes écoles que nous. Mais pourquoi un pauvre Kudam qui a ramassé sa licence dans une université européenne ici doit venir aux Comores et se comporter, et face à lui, des docteurs comoriens, ils ont peur parce qu'elle est blanche. Ou elle est blanche ou il est blanc parce qu'il vient de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi? Mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter à un moment donné, il faut savoir se respecter. Ils ont fait les mêmes écoles que nous.
Mais pourquoi? On n'est pas à l'époque où nos parents, ils voient ces gens-là venir. On pouvait même prendre n'importe quel idiot ici et l'envoyer dans ces pays-là pour aller le faire passer comme un expert de je sais pas quoi. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut que nous, on se respecte aussi. Il faut qu'on se respecte. Il ne faut pas laisser ces gens-là piétiner. Ils l'ont fait. Leurs parents ou leurs aïeux l'ont fait pour nos arrière-parents. On peut le comprendre parce qu'à l'époque, nos parents n'avaient pas accès à l'éducation. Mais qu'ils continuent à le faire aujourd'hui avec notre consentement, mais c'est idiot de notre part d'accepter ça. C'est pour cela que je dis à l'opposition politique comorienne qui continue à collaborer avec l'Union européenne, les Américains, parce que, etc., 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 à arrêter d'accompagner ou de vous associer avec des structures qui insultent la dignité du peuple comorien, parce qu'à aucun moment, ces structures-là n'ont jamais voulu qu'il y ait une élection transparente aux Comores. Pour ce qui est de l'Observatoire électoral aux Comores, ils ont fait quoi? Les observatoires électoraux, les observatoires, comment? Cette plateforme d'observatoires financée par l'Union européenne, je vous assure que c'est un scandale terrible. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont eu pas d'accès à certains bureaux de vote. Le moment du dépouillement, ils n'ont pas, ils étaient accrédités sur 44, ils n'ont pas eu la possibilité, même des membres de bureaux de vote qui ont observé tout au long de la matinée, comment, le processus électoral, à la fin, le moment du dépouillement, le régime d'Azali avec les militaires ont refusé l'accès à des observateurs accrédités pour assister au moment aux opérations du dépouillement. Et là, nous avons l'Union européenne qui se fout de la gueule du peuple comorien et qui dit, on va envoyer des experts, trois experts aux Comores pour aller expertiser le processus. Mais de quel processus vous parlez? Mais de quel processus? Les gens qui ont comptabilisé des élections sans la présence des candidats et avec le refus de vos observateurs, et au même moment, vous allez dire quoi? Finalement, on va envoyer des gens. Mais vous vous foutez de qui? Mais c'est énervant. Et ce qui me choque le plus, c'est quand je vois des Comoriens, des intellectuels comoriens, accorder du crédit à ces institutions ou essayer de les écouter pour, oui, genre, ils nous accompagnent, etc. Ces institutions vous demandent d'aller vers le processus du Conseil de la Cour suprême parce qu'ils veulent donner un semblant de crédibilité à Azali. Ils vont demander à l'opposition, à certains membres de l'opposition, d'aller réellement déposer des recours auprès d'une Cour constitutionnelle qui va réellement répondre à des conneries qui seront déposées par d'autres membres de l'opposition ou quelque chose comme ça. Et puis au final, ils vont dire, nous, on respecte la souveraineté de la Cour suprême comorienne. La Cour suprême s'est prononcée, donc on considère que le redressement qui a été fait, etc., etc. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Le peuple comorien a rejeté. Ce n'est même pas une opposition politique. Parce que je vois le plus souvent, vous dites que l'opposition a rejeté les élections. Ce n'est pas l'opposition qui a rejeté les élections. C'est le peuple comorien qui a rejeté les élections parce qu'il s'est senti humilié, violé dans le cadre de son suffrage de 2019, et il voit que les choses se répètent cette année encore avec la bénédiction et l'accompagnement des Américains et de l'Union européenne. Et je ne parle même pas de l'Union africaine, c'est carrément une. Je veux même pas, je préfère me taire plutôt que de dire quelque chose qui sera extrêmement trivial, quoi. Donc, du coup, pour l'observateur, je vais vous dire, vous avez vu ces organisations que je vous ai citées. Combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 organisations de la société civile comorienne. 11 organisations de la société civile. Ils ont observé des élections aux Comores. Dans leur communiqué, à aucun moment, ils n'ont signalé le fait que nous avons vu, nous les Comoriens, que ce soit Amramani, que ce soit à l'INRI, que ce soit à Ouangojou, que ce soit un peu partout, en juin, à Moéli, et partout à la Grande Comore où ils ont refusé l'accès à ceci, etc., etc. À aucun moment, ils ont dit, les militaires ont récupéré des urnes. Et c'est inadmissible. Ça, non, non. Tous les Comoriens ont vu ça, sauf les membres de ces organisations pourries, sauf ces vendus qui sont sous la botte de Riri Farid Norbert et ses acolytes. Toutes ces organisations, ils n'ont pas vu des militaires récupérer des urnes. Ils n'ont pas vu des assesseurs ou des mandataires des organisations, des autres partis de l'opposition refuser l'accès à des bureaux de vote. Ils n'ont pas vu des militaires procéder à des opérations de dépouillement
en présence des membres de la CRC dans des bureaux de vote auxquels les représentants des camps adverses sont chassés. Non, il n'y a que ces vendus, il n'y a que Farid Norbert de l'Obsolec et toutes ces organisations vendues qui sont dans ce processus de la plateforme de l'observation électorale aux Comores, comme n'importe quelle vulgaire personne qui a appris que dans le Bordelais, on fait des vendanges. Si tu as ta pièce d'identité, tu peux aller faire des vendanges, tu gagneras de l'argent. Ils n'ont aucun respect pour la dignité du peuple comorien. C'est pour cela que je l'avais dit auprès, avant même les élections, que ces structures-là, il ne faut jamais leur faire confiance, parce que ce sont des vendus, et ils continueront toujours à être des vendus, tant qu'ils considèrent que ça, en comorien, on dirait « pasila kumia ». Tant qu'ils considèrent que c'est une opportunité pour eux, à chaque fois qu'il y a une élection aux Comores, de s'enrichir. Mais à aucun moment, la seule chose qu'ils veulent, ce n'est pas ce que les Comoriens veulent, c'est-à-dire la sincérité du suffrage aux Comores. Donc, c'est pour cela que je vous dis, j'ai voulu échanger et je remercie encore une fois le Média Al-Comoria de m'avoir donné cette opportunité de poser ces questions qui m'ont motivé à vouloir faire l'entretien avec eux. Mais malheureusement, étant donné qu'on n'a pas pu le faire pour des raisons techniques, j'ai voulu faire ce direct pour répondre à la fois à leurs questions et donner mon analyse, ma lecture des choses vis-à-vis de cette... par rapport à la publication de ces communiqués. On trouve quoi, assalamu alaikum. Si vous m'avez dit, si vous m'avez dit, intervention chez vous. Nous avons dit, élections, je profite, wajishangiria unahujua zozikaudu walio na ishahula shawo na stongo zao etc. Inimero yangu ili ya WhatsApp kati iti ya bavo vupuwe me kontate atraveri ya inimero yo na kana iti ya armazi videos le watu ikio vani yo le 00-33-6-59-85-45-17 yo le inimero yangu na ikava groupman ya wanshu ikao wananya wakomori ikao wasishia listi ya nahujua utabibu wa wanshu wao na hujua ishahulasha uwantu wao na huenra mbio usonimu wa mavoka walazimu wa dailie uwantu wabesha karsi na mahakama Komori. Iyo ni nimero yangu mtu jua mungia kontakt na wami sisi mwambia liba wamu iki wangu mtu jua rimobilize wa wasali ya tushinorfanya jongweni retablise kontakt wasna wanyu mana wanyu marai ya masujani ikawori siwana ili nsiyo ibadilie waskarsi yenga mtu wala karisi chini dede sistemu yoyo ni lazimu libalaye na hambia ya mamamru wa opposition ikawori wale Komori waelewe ambane wao walezi wa Komori mordi namna wako lazimu waki walezi na ikawa kawatawala baisha leo kawatawala bila lazimu warudito arama stangu za wawo ikawali watambiao nyanguwa wafungwa mde na wawo wafungwa kandrani na wawo wafungwa arama masuwa salia na ikawa nusu za mfu wadio wazidi wa salia wakafungwa linishemeleza wakarama uwantu wa wikawo isi lazimu uwantu wawo risiwadale wala risiwadale wala risiwadale wala risiwadale mbwaneni wakomori kwezi yao tukufuwa miyo simu ambiyantongo zima kafasi Union Europeenne walaka voici ma américaine, walaka voici union africaine, yaushi. Pour l'union africaine, je précise encore yaushi. Walaka voici francophonie yaola. Ya lazimu yike ba les gens mbio bazé voti ifanishia kadawa etc. C'est la détermination du peuple comorien de yimbwana inamna rtso iwana. Na zijou diskaw de risfanya harme komba ni lovani de totsonge sao zitoze reserer mort de azali i dictature ya ilawe ndehule na hule de baidi. Atawa ilrehune na hule debaidi neka atawa awazingariwa avodazi hukuma za razimzimzi ngarie. Kavasi za shimizi ya peplu, walafu sila watu wale zatuma, vwa problemu watu ya gari, pareju moro, watu ya tishikata, partu zozo jiri. Watu watu mwambia mazoka jiri hanyo na mwambia mwambia nintiyo mwambia 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 mwambia. On essaie de limiter le maximum jusqu'à dégâts, zahuka, vas-y, zulumumchu, aus fanya kada, au kada, mais
ka voici ba no fango lo manifestation ikao ka vuzurjiri ntongozi kao zo tongoza shiwi zafijo zijiro vanu zozojiri muspare wandu wajivinga na zankini zao warongoa maa vale devo ili mana walotia garimoro pareju au wafanya kadharuono hunu hunu vule vale wanu stuarabulio hunu wako vale wanu stuarabu maana ustuarabu wa sharia wabisha wa watu avec des manifestations kakula suku voi maantu wakomo wa mavareno wapua wangabiza ngabiza na sukia vilogo la autorizasyon maana mre mdo mafanya zi manifestations zanyu maana humanifeste se endroit constitutionnel okomoro zintongozo zidagwa zidhulumudwa ziterwa na zistrukturi za shughuli menguzo zababu wala kaza paro shinda za rogwamba alimurdunia stodia zinzifa ngilovani zintuzo harmas komunike zao zinua stovani kawasurongo wa mas komunike zinri stovani risilani huka vusurumi la bundu kizivele ya watu kiyama rirudirlani huka manka sto autorizasyon vafangu la manifestasyon pacifiki za ankadrewa ivu ya kama yedeborde nono on rappeli on ceci, etc. Yodemana nabia wakomoro nregeye nrongo wa nchemeleze nisishukuri ya waweika oo ni wakontakte na strukturi za salia nyangus kurana se apelini ba ilazimu harama mabavu yatu na harama imiji yatu na harama masiwa yatu wantu waje organizo waje amemanase ni resistansi ya peuple komorien ita hawe degaje un system ki ya puri no vi admurdunye system ini ili yovani hika oo aktuelma idirije wana yezi ya shuku kungufi ini ili yovani hivele hawa wantu kia maa I sistemu ini na yafana na ini ya kavozi na vojana. Iriba kumuharma maisha atu ijandia amane ritene mba wasi rengwa watona. Iyo demana lazimu. Ijitihadi atu de irumbuze zisheni za zini sikaode rengwa ozovani. Leti ini European wala tini African. Muono. Amba jeli tukambe populasyon akumorishu kuparishu. Jeli tukambe oshabubu akumoru andrisa ushemeleza. Na hutia lifijo na hutia libe na ufanya zo wafanyao. Basu wallahi la hundhimu toka mwono strukturi zinza toro da zozi. Ni vini konu ziviri. Beleo, imana zinizili yo, leivu yule mabwa presyon, yatongo yu wanwanao. Na mwezi mgu, ivu ajandia mata mpata azali ya ibu. Ajandia mata mpata zinizi juzdiri, livana liyo haramo yeze. Mana kujambia, abaikarmo yu afrikeni, yitongo yini tsotongesa aparotukufu na oranibo vulimengu nini, beijandia ukamba ifari, lako fikiri baile tomwa neshe wandro wamone, leijo mvudza owae, mana yi kominoteo ya ulimengu, wasimwangali ya haivu ilio mbana anadhamana za shafriki kwa dadu nazo. Ni wallahi la adhimu. Nisirege ya nirongo weva ni marangina. Kavwasi nsi yangina vahanu wala strukturi yangina vahanu vangina. Watu wa wanzi pia muona. Watu hima meso wa rongo mbana ikonstitusia komori kur supremu ya ntrambo ili mwinjuo. Pardon. Yafanya stobia zonzi pia. Watu hima ajura leze ambani uyo. Ile lejo valide uze eleksyo na owa sijua. Aba yende kur supremu ikawo azalida ihenzi ye mihono ya hiyo mili. Arude abadilu na wantu warme kuru ye prosesu isi. Na zuzo skorezi fangishiao. Ntana vye opposition. Aba busilawe jani biyesho opposition. Ya jambi amba isenra indri ya unge muhono. Ho indra manesi jambi amba isenra indri ya abdomande. I prosesu isi namna inga uli ajiri irepete hao. Wasenda wana wadomande kuru waji statue au warereni. Wana wave namu. Waweika odu wata wafanyi manani rongo intini. Ala hala fuma ala hala. Wajambizika o vuka dutu na watu wasali ya jambe manayo wa ngawani sabu wa jejevani na wasa wa etc. Isijaya kama ne zi dutu za vozi zi konfirme harma tobi ambi zika o stojwa zike zinterpretewa. Na mjeleze kuru yezi azali ne waende wanawai sezise waya memartaha uredreze manaye victorine istirisa angu warma olimengu paskwe le komorien kawasili nrate na mchongo ya pasana na strukturio, vani de deux choses l'une. Soa azali se maintient, soa azali dégage avec sa cour et tout le monde. Yole nziye lole lpengele larbaki ya vani, karsena shua katile iyo, ifanchi yo vani. Muono enamna wantua nwar vingawo enamna war meprizeo. Muono enamna wafanyo enamna war tedele yao, enamna war bone yao. Kawasi jawabu langina katile huka se a la rue de dégager cette dictature, mwenze, e kavasi strukturi yangina na wantua wanti pia. Tanke, kawao namba yi populasyon akomo ride ilio anavanse, harme determinasyon ya ukame lazimi ya ngese. Isi ifanya zoska oriza lazimi sifanyishie, ure hale zijiro hao. Vusela wantua vanua jambia maona komunikari wari le violansi, tiji, manano kata, zinzo jiri hao hunu pia. Na kakula suki ya viluo doaz manifestasyon.
Jema kwa ima vantro kwa meso, sela fa manifestation Bordeaux, nso volo MSO, ou kouvani, mchou yfa préfecture, ou yangi ya wanyo, ou ajoua tuma di dan 48 heures, li fang xiao, on rofa yonjongi ya wotse fang yao. Rendre, vende va vout soma, ou fang la kada, ou moro pare, jou fang la kada. Ce qui a fini de ouye ouye organisation, il se demande, yo kouba diwa, mana le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Ou si jamais bien ma hatu, ou li jira, ou gozo kasi, zo jira ouhoun. Ma paroki an kouba li do ouhoun, bakas fang manifestation, mana, jile jaune, waka fang yaton kada, 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 kada. Si jamais on a un peu de la barre, les voiles, les voiles, etc. Alors, on a un peu de la barre. 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 À chaque fois qu'il y a une crise politique, Voka, Harma, Majeshi, Yakao, Harma, Mabehewa, wasoma wala waja mwenze udowanyu o jambia bavoka groupement ijama maneo wasto livre blanc waroma haraya au voka maloyaliste na marepublicain waroma baska c'est d'accord rentongo ni levan il faut qu'il ait une clarification ya stongo zinzi levan on n'arrive pas à comprendre meso il era yezinito balaye ono limengo wa wakomori taila wa ka voici jesha to jwa lezo mawe ni kakuji bona stongo zinzi levale beta to fanyaje non vous êtes des officiers. Vous avez fait des écoles, ou un utile, ou un jinga, ou un ramasso, ou un wadiobana, ou un jambla mané, l'asmoa kenangouvou na ujinga, li watuwa en romajeshi, ou un jambamba kama denenka vahanu, ou un rengwa vavo, ou un prawa livo 46,000, vavo yuikiri, ou un jambia tawao, na vawasali a jambamba, tongozin zorisa, kavasi manadam kashi tongoirisao, kavasi manadam kashi injustice, kavasi manadam kashi kada. Manan chini li yo bahawanyawe, vojohula ma officier, ou un mano, voici un collectif d'officiers, Rilio d'ici à Okanzi. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a une chose autant bien Zinzifang Cheval. Il se passera quoi? Vous pensez que, je ne vais pas officier, je vais vous dire, 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 et qu'on considère que ce processus n'a pas été légal, normalement, et on demande à ce que les populations, comme on dit, vous l'avez 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 dit, ils vont faire quoi contre vous? Moi, tout le monde bien dit. Vous pouvez vous dire, 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 vous pouvez vous moi affiche na madina ni mrogo badi lutna kada na colonel kada na flan kada na kada na kada ono ye yamini ka omwire nge engagement de défendre la patrie comorienne, de défendre la nation comorienne, d'être toujours là en cas de nécessité pour défendre la patrie et la nation de mrogo makam si d'accord avec vous invan ka tout ka problème watomre lanin. Mais si vous êtes, on est combien dans ce pays? Et d'ailleurs il est règle de déclaration de Fangiao. Vous aurez un soutien populaire de la population qui sera galvanisé de vous soutenir armé cadre de Fanyavabo. De en ce moment-là, on se dirigera vers une clarification. Il y a échangé la discussion. On a eu des avantages. C'est que les Kamrenge décision, clairement, Ibuana Haraka, il est obligé d'avoir négociation pour trouver une porte de sortie avant que les choses se dégénèrent. C'est une chose toujours dégénérée au Dirangina. Comment ce geste dégénéré harman si itaho itabadi na machakangina? Le sens et l'objectif premier d'une armée, c'est de défendre la loi et de défendre la nation. Zone stogombili zalazemu mous défendre. Mou joue ma harman si yo. Mais quand on reste continuer harman au djeshwa shoujinga, ou au kamba vani de inde yezine yine chamoun para, on sifanya vani basin tournan man en Syria, soukoum en gormasoukou fana onzu billahi ni charidalika. Risque que j'aurai dit par exemple, bah, j'ai chassé, j'ai dit, bah, wamim zouani, naamim mwali, naamim gazija. Voula wangina jamme mamim bajini, naamim washili, naamim limani, naamim hamanvu, naamim havi. A wamosh ni makele, wamosh bavulawani, wamosh mtamdu, wamosh havi. Wamosh jando, wamosh ni mashiwa, wamosh sirizurdani, a wamosh mabahoni, a wamosh miringoni, etc. etc. Ilo kafabu, oliwali, yan soli arongoa. Lilo kafabo liwa li rewa sulara majara da morde yon. Yode manan rongo wawo. Amane, wanyu majeshi, muskema wane msiri ya na, klamutasu utamambia minyawe, au ma diskute. Non,
Il a dit pourquoi à Madagascar, à chaque fois qu'il y a des événements politiques, que ce soit en 72, que ce soit en 92, que ce soit à chaque fois qu'il y a une crise politique majeure, il y a l'armée où intervenir pour avoir une solution, où on doit clarifier la situation, où je vois que je suis loyaliste dans ma république, pour avoir une solution, où on doit avoir par rapport à deux autres. Ni m'a dit, où je suis où Nambé ma oulama ou yali komor. Na ma mufti en rambo yali komor. Na wawe kao, mbana, wawo jirena ba wawo wa dini. Be, i dini yao li wawo mwiri wawo anu wano wana sometali li wawo lampesa. A wano wana tish jagusha wa valimu wawo lampesa. Li wajia mbeba wawo li yode ngilimu yao. Vwa mafundi ya dini komor. Vwa majera kukia ma wasudza bange takaratu dute. Mana kawana imani. Wao harma mifano ya wale irongolo harma msafu mba mataluli imaro ya hamilu la asfaro wa mfano mpunra ya zati hazio. Ili miayo pia wale unayemengu na hao wavo, kaisina na funchoko wensila wama na mtuoka na imani. Kawa na imani nansi, kawa na imani na wanadamu. Kwa maftosho ufuke wantu harma nansi wakie mba vula wa wana. Vula wa manare mabani shtwani, vwana mufti, aliyo komori, aliyo mba avo wavo bekatosho wabwe hangi harongo mba almordunia zitupu mpaka. Vula ulama uadini, rimone vwa anatie ni haru manazikatha na katha aenda ratoe fatia na urogome nchini istaha amani, istaha katha. Ni mwambia procureur de la republiki. Aba vozi, maonafikiene kwa urogolo vane urogome wae, vtoha amani, vtoha katha, vtoha katha. Koma onpe komprandu mbara haru manti, ikawo elajo, jasosi wasi madame situ. Na sende ashe liyahe. Koma sofeti mbara haru manti, ikawo onfe des arrestations, wanku wa rego bakase na makadre legali. Ce n'est pas un procureur qui donne intima kama efsrama sokungu mangela na damu wana wahinzo arma container wahanu wana wabadi wahanu waantase wahanu wana rastinza i wana ntwa ishiwo wana do alez parce que ukuwa ingia mwizufu madame Sitou reçoit l'équivalent d'un poste ministériel et salaire ya ina avantage zae elle n'en a rien à foutre du destin ya ushababi mkomori arin rozimbi adulumulao afangilo na zangina na zangina. Nisimali zama noti principal yangu ya shwani. Ni mwambi Rafiki. Mwamedi. Droki. Enami de l'équipe de Fegafu. Mwananya mwani. Ailiyo harma ima hakama ya ushu. Ni mwambi ye. Mavamana mliyo harma ima hakama ya ulio. Na kakula uo mliyo mba mwaoho. Ni mwambi ye nbana. Insini vanika biliwo. Il se risque, quelle que soit la décision de ce regard, c'est d'être obadilé ou détermination et population à Chkomor. Mon vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Et comme je suis un homme, je suis un homme. Inamna ya komportoma za nyumu usifanyo arma masuwa ya wafu. Mujambie na uwana wanyu. Na uwana wa mazefu majeshi. Na uwana wa mazefu wa dini. Na uwana wa mazefu wa duwadolomu wa wali yole madame Sitou na wangina na wangina na wangina. Na hika uwana wanyu. Waende wa mama upewu ya ni mwia rendrao. Ya songe sa wangishifete. Na muslimu angie alalie turobi. Vavo mjivi wa mana wa mamanyu na babanyu wa serenga mpesa za sirkali na umana wa mkufundi awasuli alanie turabi musijivi wa muja mbeba alahala thuma alahala inri la shari la waili katila mtimba nela mtimbi wa na mfahamu besu kume ngolo masuku sutrogozi nisoba dili hao kamtoja marogoma kamakujo wa babanyu na jemazanyu wa kufanyo peu kamtoja marogoma karasi yelo mantini I fulani katha fangilo hale, ayu miniye wawo, awa fangilo katha, ware no katha. Zini pia msisi fanya nsemani za akori mfuwani notile oyoyo, mtu atabu shtangu le watu vuna shtangu meso, na mtu atabu mene le watu vuna mene meso. Wa alaika salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa la afwa minkum wa jazakum allahu khairu asanta shukro.